A todos y todas, quiero pedirle una licencia a la sala para dirigirme mis primeras palabras en un saludo de reconocimiento a las luchas, a los esfuerzos, a la búsqueda y reafirmación de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Nuestra especial consideración para todas las mujeres que hoy atraviesan circunstancias de violación de sus derechos. Nuestro objetivo en este mensaje que comparto con los miembros e integrantes de la Comisión Interamericana va dirigido a eso, a reconocer luchas y a saber que tenemos que seguir asegurando los derechos en la condición de dignidad, de igualdad y no discriminación, compartiendo las grandezas de nuestra madre tierra, de la espiritualidad y de la divinidad. Un abrazo solidario a todas. Y un abrazo para integrar a todos nuestros compañeros hombres. Muchas gracias. Nuestra asamblea de hoy, nuestra reunión, la audiencia número 7 de nuestro periodo 186 de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene como identificación en su título, la violencia sexual contra mujeres y niñas en Haití, que fuera solicitada por las organizaciones civiles, a quienes agradecemos profundamente su compromiso. Soy Esmeralda Arosemena de Troitiño, vicepresidenta primera de la Comisión Interamericana y relatora temática para los derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestro continente. Me acompañan en esta oportunidad el comisionado Estuardo Rallón como relator para el país Haití, la comisionada Yulisa Mantilla como relatora para los derechos de las mujeres y la comisionada Roberta Clark, que está en este momento haciendo sus arreglos técnicos, como relatora para los derechos de las personas LGTBIQ+. Están también acompañándonos la Secretaría Ejecutiva, Tania Renault, la Secretaría Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido, la relatora especial, no sé si no ha podido llegar todavía, pero sé que está muy comprometida a la Redesca en los temas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Quiero también expresar un cordial saludo a la representación del ilustre Estado de Haití que nos están acompañando en una conexión virtual, al experto de Naciones Unidas, Jaime Tumba Kakolo, jefe de la Unidad de Monitoreo de Investigación sobre los Derechos Humanos en Haití, quien participará a través de una presentación de un video. Vamos a distribuir un tiempo, bueno, ya tenemos como un poco menos, pero vamos a ver cómo lo ajustamos. A la sociedad civil, unos 17 minutos que ustedes utilizarán distribuyéndose el tiempo a su conveniencia. A la ilustre representación del Estado, igual 17 minutos. Al experto de Naciones Unidas, por 5 minutos. Y la comisión tendrá la oportunidad de una intervención igual de 17
minutos. Posteriormente de la intervención de la comisión, la sociedad civil tendrá un tiempo extra de 8 minutos más para las consideraciones finales que tengan a bien hacer, igualmente el Estado. Y cerramos la audiencia con nuestro reconocimiento final. En esta audiencia tenemos un propósito. Perdón, quiero también saludar a todos los que nos acompañan en la sala de audiencia para la participación, para escuchar en esta oportunidad este tema tan interesante. Muchas gracias. El objetivo, el propósito de esta audiencia es poder tener toda la información actualizada sobre la situación urgente y deteriorada que viven las mujeres, y en particular las niñas y las adolescentes en Haití, con un mayor riesgo para ellas en materia de la violencia sexual, en atención a la actual crisis humanitaria y de gobernabilidad que el país atraviesa. Sin más, paso inmediatamente la palabra a la sociedad civil, si tienen a bien identificarse qué organización representan, para nuestro registro. Gracias. Esteemed commissioners, thank you for the opportunity to bring firsthand insights into the protracted and pervasive sexual violence facing Haitian women and girls. Thank you also for providing Creole access today, ensuring participation of those most affected by this hearing. We welcome the Commission's attention to Haiti, but are concerned about the failure in its most recent report to consider gender-based violence despite its extensive documentation. My name is Peter Habib, a law clerk at the Center for Gender and Refugee Studies. It is my privilege to introduce to you today 4 exceptional experts to speak of the acute crises facing Haitian women and girls at this auspicious moment, International Women's Day. Our distinguished speakers will share insights and offer recommendations to address the unabated and intensifying plight of our Haitian sisters. We'll hear first from Corinne Jocelyn, founder and director of the Haiti Women's Collective, then from Rosie Auguste Dossena, legal program manager of Réseau National de Défense des Droits Humains, followed by Yvonne Janvier, professor of law at École Supérieure Catholique des Droits de Jérémy, and finally Pascal Solage, founder of Neges Mahon. We draw the commissioner's attention to the written testimony of 2 petitioners unable to be present today. COFAVIV, a grassroots organization led by victims of political rape, and the Bureau des Avocats Internationaux, a public interest law firm representing survivors. The solution to remedying these appalling ongoing human rights violations lies precisely in the leadership of such leaders as those before you today. Member states have a duty to champion a Haitian-led rectification of this unfolding tragedy and defer to the self-determination ingrained in grassroots knowledge. Thank you. Good morning. Today on International Women's Day, I present myself as an individual, the founder of the Haitian Women's Collective, a humanitarian, a feminist, and a daughter of Haiti. In developing my statement, I focused my attention to the IACHR strategic plan, the mission, institutional values, strategic objectives, and expected outcomes. This has allowed me to better develop my statement in reflection of the ongoing crisis in Haiti, with individuals currently living in a daily state of terror, with an absence of justice and little to no human rights. Our organizational partners who lead organizations throughout Haiti represent women and girls who are increasingly vulnerable and living without a functioning state. The state no longer has an elected president, an elected prime minister, or parliament. Because of this, it cannot uphold the IACHR framework, context values of non-discrimination, vested rights, consistency, equality and inclusion, accessibility, or progressiveness. Instead, women and their families, communities are impacted by over 5 years of consistent, increased, oppressive violence and an unstable government that is no longer able to be accountable for or observant of the human rights in the territory. This is visible with the thousands of Haitian residents, women, some who are pregnant,
and with their children fleeing in the most dangerous ways to avoid violence. We have seen this in New York, the Dominican Republic, Mexico, and Texas. Without rule of law, women are facing unimaginable circumstances in their lives. The systemic failure of human rights in Haiti has highlighted that violence does not stand alone. It is interrelated and has many facets, including complacency and/or complicit external racist and discriminatory practices that impact the sovereignty, wealth, human rights, and dignity of the Haitian people. Violence is when women have little to no participation or decision-making power in systems of justice or governance. Women and adolescent girls having little to no access to sexual and reproductive health care is a form of violence. A form of violence is when there is limited access to education for women and girls, the absence of economic justice for women to gain autonomy and improve their self-determination is a form of structural violence. Physical violence, which you will hear more about today from my colleagues, rape, gang rape, sexual assault, sex trafficking, and sexual harassment of women and girls without impunity does not stand alone. So what are the needed solutions? In the short term, there is a need to reduce harm. There is an immediate need to stop gun trafficking. This is a human rights issue. Women need access to a functioning justice system without corruption. Women who are victims of sexual violence have to have confidence that the system will work for them. Make no mistake, the justice system in Haiti has well-written laws, rules, regulations, and processes. At this time, it is not functional. In fact, Supreme Court judges were recently illegally appointed by the current de facto prime minister. Those who rape women are given a free pass to continue without any consequences. There is an immediate need for humanitarian assistance and results-based increased protection and defense of victims. The history of interventions in Haiti speaks for itself. It is our hope as women, leaders, and those that love Haiti that solutions of fundamental change to address the imbalance of power, allowing women to live without violence and to enjoy their human rights, is the end goal. This, in fact, without question or confusion, is the role of the government of Haiti, which is absent here today. Long term, institutions and systems such as IECHR should listen to, engage, and bring diverse Haitian women, including poor women living in precarious situations, to the table in a participatory manner to identify solutions to increasing violence. There is an established women and girls movement in Haiti to build on and participate in the recommendations and reinforcement of policies in Haiti. Together with the state, already established effective systems and new ideas should be enhanced, strengthened, and led by women. Thank you. Mesdames, Messieurs, les membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, au vœu de l'article 1er de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Pourtant, sous le regard indifférent des autorités étatiques, nous, femmes haïtiennes, sommes battues, violées par nos conjoints, nos filles, subissent toutes sortes de sévices sexuels de la part de leurs enseignants, de la part de membres de famille ayant autorité sur elles ou par tout autre homme fréquentant la maison. Aucune protection ne nous est non plus accordée à nous qui vivons avec une déficience sensorielle, physique ou mentale. En moyenne, 7 d'entre nous sont victimes par jour en Haïti de violences basées sur le genre. Dans les quartiers défavorisés, nous évoluons dans la négation de notre droit à un niveau de vie suffisant. De plus, depuis 2018, ces quartiers sont le théâtre d'affrontements entre gangs armés qui, sous le couvert de luttes hégémoniques, défendent des intérêts politiques, électoralistes et économiques. Lors de ces affrontements, nous sommes assassinés au même titre que les hommes.
et nous sommes aussi victimes de viols collectifs. La Saline, novembre 2018, 11 d'entre nous ont été violés. Cité Soleil, juillet 2020, 18 d'entre nous ont été violés. Plaine du Cul-de-Sac, avril 2022, 19 d'entre nous ont été violés, dont 17 ont par la suite été assassinés. Cité Soleil, juillet 2022, 53 d'entre nous ont été violés. Village Noailles, octobre 2022, 4 d'entre nous ont été violés. Source Matelas, novembre 2022, 32 d'entre nous ont été violés. Ces victimes ne sont pas exhaustives, mais chacune de leurs histoires prouve que nos corps sont un véritable champ de bataille. Les chefs de gangs armés estiment comme leur prérogative le droit de nous utiliser à leur guise parce que nous vivons dans leur fief. De telle sorte que, lorsque nous sommes violés par des membres de gangs rivaux, il s'agit d'une défaite pour les premiers et d'une victoire pour les autres. Lorsque nous sommes amenés à nous déplacer en raison de ces conflits armés, nous sommes poursuivis dans les espaces où nous nous réfugions pour encore et encore être violés. Nous sommes aussi violés sur les routes nationales, à même le bitume, au vu et au su de tous. Nous nous retrouvons aussi parmi les 15 personnes enlevées chaque jour en moyenne en Haïti pour être non seulement séquestrées contre rançon, mais aussi violées ou menacées d'être violées avec tellement de détails que souvent nous vivons l'agression sans même encore la subir. Mesdames, messieurs, sur tout le territoire national, il n'existe qu'une seule prison pour femmes et filles. Dans les autres 18 prisons fonctionnelles du pays, la séparation des détenus ne se fait que par cellule. Conséquemment, nous restons accessibles aux hommes détenus qui nous invectivent, nous menacent de nous mettre la main dessus et nous violent à chaque mutinerie, chaque tentative d'évasion et à chaque évasion. Au 27 février 2023, 85,5% d'entre nous incarcérés sont en attente de jugement. Et en violation de l'article 25 de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, qui précise que tout individu a droit à un traitement humain au cours de sa détention, nous n'avons pas de récréation, pas d'accès aux produits d'hygiène nécessaires ou aux soins médicaux en fonction de nos besoins. Nos cellules, très peu éclairées, ne sont pas aérées. Nous sommes exposés aux maladies contagieuses comme la gale, la gratelle, la tuberculose. Et pire que tout, nous passons jusqu'à 15 ans en prison sans être jugés. Mesdames, messieurs, contrairement à l'article 3 de la Convention de Belém do Pará, qui précise que la femme a le droit de vivre dans un climat libre de violence, l'horreur des femmes et des filles haïtiennes est quotidienne. Et c'est parce qu'Haïti représente un espace extrêmement dangereux pour nous que par devant vous aujourd'hui, nous sollicitons que vous recommandiez à l'État haïtien de tout mettre en œuvre en vue de renforcer les capacités de la police nationale dans le but de réduire l'insécurité généralisée et de protéger les femmes et les filles. Porter l'appareil judiciaire haïtien à enquêter sur les violations massives de droits humains perpétrées continuellement en Haïti. Réduire la détention préventive, illégale et arbitraire, particulièrement pour les femmes et les filles. Nous sollicitons enfin de la Commission une visite in loco en vue de prendre connaissance de la situation des droits humains en général et de celle des personnes privées de liberté en Haïti en particulier. Merci. Je reste disponible pour vos questions et remarques. Chers membres de la Commission, mes collègues l'ont déjà souligné à votre attention. Haïti a l'un des taux les plus élevés de violence basée sur le genre dans le monde. Selon ces rapports combinés, sur chaque 10 femmes et filles haïtiennes, 3 à 4 subissent une forme de violence dans leur vie. Toutefois, pour ma part, je voudrais attirer votre attention sur les VBG à l'égard des femmes et des filles, facilitées surtout par la faiblesse et la corruption du système judiciaire haïtien. Cependant, sans négliger les autres catégories de victimes,
Notre plaidoyer met l'accent sur ces femmes et filles déjà discriminées, stigmatisées, marginalisées en raison de leurs conditions économiques précaires. Nous parlons de ces filles et femmes des bidonvilles et des milieux ruraux, lesquelles, en plus d'être privées des services sociaux de base, se voient refuser un accès équitable à la justice en Haïti. Pour illustrer nos propos, nous prenons des cas documentés dans l'une des régions du pays où nous travaillons comme avocats. Le département de la Grand'Anse, avec pour ville principale Jérémie. Un rapport, pourtant non exhaustif, produit en janvier 2023 par la chaîne de protection dans le sud-dit département, a documenté 149 cas de viol rien que pour l'année 2022. Au nombre des victimes, on compte 16 femmes entre 18 ans et plus et 131 filles entre 3 et 17 ans, soit 89% des mineurs. Au nombre de ces cas figurent des victimes que nous avons personnellement assistées légalement. C'est le cas d'une jeune adolescente violée dans la ville de Corail par 14 jeunes garçons et dont le seul ayant été appréhendé par la justice a été ensuite libéré sans jugement. C'est aussi le cas de cette mineure violée dans la ville de Damari par un homme marié et dont les images a envahi les réseaux sociaux. C'est encore le cas de cette jeune femme violée avec sa mère à la faveur de la nuit par des hommes armés et masqués. Malgré des plaintes formelles et des dénonciations, la justice haïtienne est restée passive, paralysée par trois handicaps majeurs. La corruption, l'inefficacité et le manque de ressources allouées au secteur par l'État haïtien. Il en résulte un faible taux de poursuite et de condamnation des auteurs, créant ainsi à travers le pays une culture d'impunité qui tend à normaliser l'inacceptable. Maintenant, ces femmes et ces filles sont livrées à la merci des gangs armés. Cela constitue une preuve supplémentaire de la nécessité d'une action urgente et efficace pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles en Haïti. Or, suivant les engagements de l'État auprès des systèmes interaméricains et onusiens, la sécurité de ces victimes devrait être assurée par les instruments internationaux des droits de l'homme, en particulier ceux disponibles au niveau du système interaméricain. Au regard de ces instruments, le gouvernement haïtien a la responsabilité de garantir que les femmes et les filles puissent vivre libres de violence et de discrimination et de tenir les auteurs responsables de leurs actes. Aussi, demandons-nous à la Commission d'exhorter l'État haïtien à prendre des mesures immédiates pour renforcer le système judiciaire, augmenter les ressources pour les services de soutien aux survivantes et mettre en place des mesures globales pour prévenir et répondre à la violence à l'égard des femmes et des filles. Enfin, nous appelons la Commission à surveiller de près, via son rapporteur spécial, la situation en Haïti et, éventuellement, à tenir le gouvernement haïtien responsable des violences exercées sur les femmes et les filles en vertu de la violation par l'État haïtien du principe de diligence raisonnable du droit international destiné à protéger les droits de l'homme. Mes collègues et moi, nous nous tenons aux côtés des femmes et des filles d'Haïti qui subissent la violence et demandons justice et réparation pour toutes les survivantes.
Mesdames et messieurs de la Commission, il ne faut pas isoler les réalités des femmes du contexte global que vit Haïti aujourd'hui. Ces réalités sont les conséquences directes des politiques antiféministes appliquées en Haïti, renforcées par la mauvaise gouvernance, l'affaiblissement des institutions, la corruption et l'impunité. Elles sont les conséquences de la politique étrangère, de la communauté internationale qui continue à soutenir des dirigeants qui travaillent à la destruction du peuple haïtien. Haïti est actuellement confronté à un niveau de violence et d'insécurité sans précédent, comme l'ont mentionné mes collègues. Entre mai 2022 et mars 2023, uniquement Neges Mahon, l'organisation féministe que je représente, a reçu sur 4 zones contrôlées par des gangs armés, La Saline, Cité Soleil, Saint-Martin et Bel Air, 652 cas de femmes et filles victimes de viols individuels et collectifs. Sur ces cas de référencement, on compte 9 femmes assassinées, 14 femmes tombées enceintes suite à leur viol, 8 femmes qui ont eu des complications à la suite d'avortements non sécurisés après leur viol, parce que, je le rappelle, l'avortement est toujours criminalisé en Haïti, et 19 femmes ont contracté une infection sexuellement transmissible. L'histoire des violences faites aux femmes en Haïti, c'est l'histoire de Katiana, 33 ans, mère de 3 enfants, qui a subi un viol collectif et contracté la syphilis, mais qui a aussi vu sa fille de 9 ans violée sous ses yeux. C'est l'histoire de Jenny, 26 ans, qui a subi un viol collectif à la suite duquel elle est tombée enceinte. Elle a eu un avortement non sécurisé qui lui a occasionné des complications sévères et aujourd'hui, Jenny ne pourra plus jamais avoir d'enfant. C'est l'histoire de Jésus-là, kidnappé, séquestré, battu et violé pendant plusieurs jours avant que ses deux cousines ne soient assassinées en sa présence et leur corps jeté aux ordures. Des milliers de femmes sont déplacées dans leur propre pays ou sont obligées de migrer vers d'autres pays, ce qui les expose encore plus à la violence, à l'exploitation, à la discrimination et à la pauvreté. Par exemple, nous avons vu le traitement inhumain infligé aux femmes enceintes en République dominicaine ou encore les images de ces femmes sur les frontières de Texas ou d'autres frontières ici même aux États-Unis. Les femmes haïtiennes sont également durement frappées par la crise économique actuelle. Avec une inflation de plus de 30 %, une augmentation de 128 % du prix du carburant l'année dernière par le gouvernement haïtien sans aucune compensation sociale et l'impossibilité pour les femmes du secteur informel commercial de circuler librement pour leurs activités génératrices de revenus, les femmes haïtiennes sont de plus en plus pauvres, alors qu'elles ont la charge, toutes seules, de plus de 60 % des familles monoparentales en Haïti. Cette crise économique rend les femmes encore plus vulnérables, plus exposées à la violence, dans un contexte où elles avaient déjà moins accès aux ressources et aux opportunités. Dans ce contexte de crise, les femmes ont de moins en moins accès aux services qui leur sont dus. Éducation, justice, protection, mais surtout les soins de santé sexuelle et reproductifs. Alors que le taux de mortalité maternelle et infantile en Haïti est le plus élevé de la région de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Les femmes ont vu les acquis de leur lutte pour leurs droits reculer drastiquement. Aujourd'hui, la participation des femmes dans la politique est de plus en plus difficile dans ce climat de violence, de corruption et d'érosion de la démocratie. Ainsi, la militante politique et féministe Antoinette Giclère a été assassinée en juin 2021 et des activistes comme moi et mes camarades sont obligés de quitter leur pays pour protéger leur vie et celle de leurs proches. La situation critique et atroce des femmes haïtiennes que je viens de décrire exige des actions urgentes, tant de la part du gouvernement haïtien qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, que de votre part au niveau de la Commission. Et c'est pourquoi nous vous faisons les recommandations suivantes. Une visite in loco du rapporteur spécial sur les violences basées sur le genre en Haïti. Une enquête spécifique sur les violences faites aux femmes en Haïti et la publication de rapports y relatifs. L'élargissement des mesures conservatoires prises en 2010 en faveur des femmes haïtiennes à toutes les victimes enregistrées depuis cette période et le transfert du dossier d'Haïti à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et finalement, des mesures de la Commission pour
exiger de l'État haïtien la mise en œuvre des conventions et outils interaméricains pour la protection des femmes et filles haïtiennes ratifiées par Haïti. Merci. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido unos minutos extras que vamos a ver cómo lo recuperamos en la próxima vuelta. Vamos a darle inmediatamente la palabra, digo, la presentación vía virtual a la ilustre representación del Estado de Haití. Hacemos la conexión. ¿Estamos listos? Du règlement intérieur de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Et suivant les audiences de la Commission, des organisations de la société civile ont sollicité devant la Commission une audience thématique sur la généralisation des violences sexuelles faites aux femmes et aux filles par les groupes armés en Haïti au cours de sa 186e période de session. Pour justifier leur demande, ces organisations, dans un rapport commun déposé au CDH, affirme que les gangs ont déployé le viol et d'autres violences sexuelles comme un outil délibéré pour perturber le tissu social du pays. Et l'ont fait sans aucune réponse significative du gouvernement haïtien. Quality of civil service. Le gouvernement haïtien, pour sa part, n'est jamais resté indifférent face à ces atrocités. Même s'il reconnaît que les efforts ne sont pas suffisants, tenant compte de cette réalité, il réitère le soutien de la communauté internationale en vue d'apporter une amélioration aux problèmes sécuritaires que connaît la République d'Haïti. Pour faire lumière sur les faits que ces organisations lui ont reprochés, le gouvernement profite de cette audience pour dresser un état de ses différentes interventions en faveur des femmes et des filles face au viol et violences sexuelles commis par les gangs et les actions entreprises tenemos algunos problemas de conexión. Il faut préciser que le gouvernement a toujours fait de son mieux pour assister les femmes et filles victimes des activités des gangs. Par le truchement du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes,
du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et du ministère de la Santé publique et de la Population. And the Ministry of Public Health. Parallèlement, l'État haïtien s'évertue à travailler pour donner une réponse globale, globale, violente à la violence fondée sur le genre, regarding sexual violence, fondée sur le genre, en vue du bien-être de la population et des déplacés en particulier. Le démarrage des travaux de révision de l'avant-projet de loi sur la violence faite aux femmes et aux filles 2021-2023 avec l'appui du PNUD. L'élaboration de la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 dont le plan d'action national EFH 2014-2020, laquelle est actuellement en phase d'évaluation ou conduction. L'élaboration d'un plan de lutte contre les violences des femmes et aux filles 2017-2027. La mise en place du bureau de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. BLCVFF 2014. La mise en place de la ligne d'urgence 89-19 en 2022. Contrary measures. En ce qui concerne les soins médicaux, le gouvernement est conscient que les victimes nécessitent un soutien en santé mentale et psychologique. There are issues of mental. Cependant, la proportion et l'extension des gangs armés lack of services, rendent ces interventions difficiles. And this makes the situation. Les victimes, après avoir subi les violences sexuelles, people, women, ont des difficultés à se déplacer de leur quartier respectif are obliged to à la recherche des soins médicaux. From their residence, car les gangs ont souvent érigé des points de contrôle pour surveiller et restreindre les déplacements des habitants. To observe de 2020 à 2022, le nombre de victimes pris en charge par le gouvernement haïtien s'élève à 11 686. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, assure la prise en charge complète des victimes, à savoir le traitement post-viol pour prévenir l'infection par le VIH, la fourniture de médicaments afin d'éviter les ISH, les IST, established measures, EST, and IST, la contraception d'urgence pour éviter les grossesses non désirées, la prise en charge des blessures et la délivrance de certificats médicaux. En vue de faciliter l'accès à la justice en faveur des victimes, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a instruit les parquets des 18 juridictions loss of audio, just temporary, no audio coming through. Sí, el Estado ha perdido la conexión. We have lost. Ha perdido la conexión. Bueno, vamos a continuar, luego podemos hacer el regreso a la presentación del Estado para poder tener y aprovechar el espacio. Vamos a darle ahora la oportunidad en la presentación del video al experto de Naciones Unidas, Aimetumba Kolo, para la presentación de su
planteamiento. Pasamos a la presentación del video. Bonjour. Je salue les honorables commissaires, le représentant de la société civile et les autres participants à cette audience. Good afternoon. Je remercie la Commission interaméricaine de droits de l'homme et les organisations de la société civile d'Haïti qui ont demandé cette audience. Je réponds au nom de Emin Toumba Kakolo. Ma présence à cette audience publique et à ma qualité de l'adjoint du représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti. Je suis ici pour fournir oralement à la Commission des informations et de manière informelle et sans prêter serment. Rien dans mes commentaires ne doit être interprété comme une renonciation expresse ou implicite aux privilèges et immunités des Nations Unies en vertu de la Convention de 1946. Pour commencer, je voudrais rendre un vibrant hommage aux victimes de violences sexuelles, à leurs familles et aux défenseurs de droits de l'homme qui les accompagnent et assistent en vue de retrouver leur dignité. Honorable commissaire, en Haïti, les violences sexuelles, y compris le viol collectif, sont utilisées par les gangs comme une stratégie pour répandre la peur, faire souffrir et soumettre les populations locales en vue d'étendre leur contrôle territorial. Les violences sexuelles sont souvent commises en conjonction avec d'autres actes de violence tels que le meurtre et autres violences physiques, ainsi que la destruction de biens. Les femmes et les filles vivant dans des quartiers pauvres, marginalisés, et en particulier celles qui vivent dans des zones contrôlées par les gangs, sont plus exposées aux violences sexuelles liées aux gangs. D'autres groupes à haut risque sont les personnes en situation de vulnérabilité sociale, comme les personnes LGBTI et les personnes de placer interne. Le rapport conjoint du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU en sigle, et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, intitulé « Violence sexuelle à Port-au-Prince », une arme utilisée par les gangs pour répandre la peur, est publié en octobre 2022, établit que les violences sexuelles sont utilisées par les gangs dans au moins 4 contextes. D'abord, lors d'attaques armées contre les quartiers contrôlés par les gangs rivaux. Au cours de ces attaques, les violences sexuelles sont utilisées en combinaison avec d'autres actes de violence pour punir les personnes considérées comme favorables aux groupes rivaux ou celles qui vivent dans ces zones. Un deuxième contexte est celui des enlèvements. Certaines personnes enlevées, y compris les filles, sont violées pendant des jours par plusieurs personnes. Les vidéos enregistrées de viols collectifs sont parfois envoyées à la famille pour les pousser à payer pour leur libération. Troisièmement, les violences sexuelles sont utilisées au hasard et souvent en plein jour contre les femmes et les filles qui se déplacent le long de routes principales ou entre les quartiers contrôlés par les gangs. Enfin, les violences sexuelles sont également utilisées contre les personnes vivant dans les zones sous leur influence. Les femmes et les filles, mais aussi les jeunes hommes, sont parfois contraints de devenir le partenaire de membres des gangs. C'est soi-disant relations permettent aux victimes et à leurs familles d'avoir accès à des avantages en nature, tels que de la nourriture et de l'eau potable, ainsi que à une sorte de protection contre les abus potentiels commis par d'autres personnes. En revanche, le refus des demandes sexuelles de la part d'éléments de gang peut donner lieu à des représailles. Honorable commissaire, malgré la prévalence en Haïti des violences sexuelles liées aux gangs, celles-ci sont fortement sous-signalées pour facteurs comme la crainte de représailles de la part des gangs, la crainte de victimes
d'être stigmatisés et les contraintes logistiques et de ressources pour répondre aux incidents de violence sexuelle, y inclut l'absence d'un programme de protection pour les victimes et les témoins qui déposent une plainte officielle. L'insuffisance des services de santé, y compris les soins d'urgence et les soins psychosociaux, et la faible coordination et confiance dans les institutions policières et judiciaires. Par ailleurs, les dispositions légales ne sont pas toujours correctement appliquées. Par exemple, la présentation d'un certificat médical prouvant que la victime a subi de violences sexuelles n'est pas une condition préalable à l'ouverture d'une procédure judiciaire. Mais dans la pratique, les perspectives d'obtenir justice sont très faibles. Sans ces documents, cette situation est très préoccupante en raison des difficultés qui rencontrent de nombreuses victimes pour obtenir une assistance médicale. En plus, de nombreux centres médicaux et leur personnel ont été directement attaqués par des gangs et contraints de suspendre leur travail, réduisant ainsi la disponibilité de soins pour les victimes. De plus, les établissements de santé opérationnels ont du mal à négocier un accès sur les zones contrôlées par les gangs. Honorable commissaire, le rapport conjoint du BINUS have a very difficult time in getting access to zones controlled by the gangs. So our report also suggests à des engagements accrus de la part de la communauté internationale et du gouvernement d'Haïti, notamment en novembre 2022. En réponse au rapport, le premier ministre haïtien a envoyé une lettre ouverte à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti pour exprimer son engagement dans la lutte contre les violences sexuelles, souligner la volonté du gouvernement haïtien et travailler en étroite collaboration avec les Nations Unies pour promouvoir et protéger le droit de l'homme. Le 21 octobre 2022, le Conseil de sécurité des Nations Unies a publié la résolution 2653. Also referring to the 20th of October 2022, the declaration of the Security Council of the United Nations, which published a resolution number 26.53, which established an embargo against traveling and control of the identity of people who perpetrate actions menacing or threatening to security. The resolution considers or states that sexual violence by gangs is the controls against it are absolutely inadequate. After the publication of this resolution, certain states imposed bilateral economic embargoes on the activities of the gangs. Given the high incidence of sexual violence, en tenant les auteurs responsables et en veillant. Bien. También habíamos pasado un poco el tiempo, nuestras disculpas por la temática de la interpretación y de los problemas de conexión, pero lo importante es que podamos tener esta oportunidad de recoger la información que se nos brinda. Le pregunto a la Secretaría si hacemos una posición para el Estado, porque ellos estuvieron solo 8 minutos en su presentación. Hemos perdido la conexión con total. El Estado. Okay. Parece ser que su conexión es bastante débil, entonces estamos intentando reencontrarles. Quisiera saber si el Estado está conectado. Embajador, buenos días. Quisiera saber si desde la capital están conectados como lo estaban antes. Para darles la oportunidad de continuar con la
presentación unos minutos más, si es posible. ¿Estás sin audio? We can hear you. We can... Nous vous entend. Ah, si vous m'écoutez là, je vais vérifier avec... If you can hear me now. La représentation d'Haïti, si M. Fallière-Bazley peut continuer avec... If we can continue... Avec l'intervention, ou bien moi-même... With the presentation... Je vais reprendre la présentation là où la. I am going to continue the presentation where. Maître Bazley, vous êtes là? Si, l'escuchamos. Yes, on vous écoute. Et je continue. Allez-y. En vue de. Maintenant, on est à la phase de l'accès so à la justice. Now we are in the phase, access phase. En vue de faciliter l'accès à la justice en faveur des victimes, justice system, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a instruit les parquets des 18 juridictions de la République of the Republic of de Haiti. Mettre l'action publique en mouvement contre toutes les personnes identifiées ou qui sont auteurs, co-auteurs ou complices de ces infractions. Destinées à accueillir les plaintes des victimes et donner suite diligente à leur dossier. De n'accepter aucune négociation entre les victimes et leur bourreau afin que les poursuites légales prévues puissent entamer sans entrave. De sévir avec la plus grande rigueur contre les pratiques de traite des enfants qui sont une forme de violence à l'égard des filles. This is a form of violence towards the girls. De plus, le gouvernement interviendra auprès des centres hospitaliers en vue d'accueillir sans délai les femmes et les enfants victimes des violences sexuelles who are victims of sexual violence, et de leur délivrer les résultats des analyses and to give them the results of the analysis, d'établir les preuves de certains cas de violence. To be able to prove en the autre, cases of sexual violence. En outre, le gouvernement envisage the government envisions la création d'une cellule the creation de of pôle a judiciaire cell, a avec instruction cell, de rendre les ordonnances to dans give, un délai ne dépassant pas trois mois. To give la création that are not older than three months, au ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour la réception des dossiers de viol. For the reception of the files of sexual violence. Au parquet avec une majorité de femmes commissaires de gouvernement pour s'occuper de ces dossiers. And we need a majority of women la passation d'instruction aux institutions judiciaires afin d'accepter le certificat médical délivré à la victime par quel que soit le médecin. La rédaction d'une circulaire la rédaction d'une circulaire portant sur l'interdiction de demander des frais de déplacement aux victimes. Le gouvernement haïtien remercie la CIDH d'avoir convoqué cette audience qui lui a permis de faire la lumière sur la thématique soulevée par les organisations de la société civile haïtienne. L'utilisation de la violence sexuelle par les gangs, si elle n'est pas combattue de manière adéquate et rapide,
risque de briser davantage le tissu social déjà profondément fragile de la société haïtienne pour les années à venir et de saper toute perspective de développement et de stabilité durable. Le gouvernement fera de son mieux pour faire face aux problèmes liés à la violence sexuelle. Cependant, le chemin qui reste à parcourir est encore long, puisque les territoires occupés par les gangs sont des lieux de refuge pour les violeurs et les interventions de l'État sont limitées. Car la police nationale, dépourvue de moyens, les gangs sont lourdement armés. Ceci explique et justifie la demande d'intervention d'une force internationale faite par le gouvernement via son ministère des Affaires étrangères en octobre 2022. À cet égard, il compte sur l'appui de la CIDH et de l'Organisation des États américains, OEA. Le gouvernement haïtien réaffirme sa volonté de prendre en compte les rapports de droits humains produits par les institutions nationales et internationales et de toujours donner suite aux cas de violation soumis à son attention. Je vous remercie. Bueno, muchísimas gracias por haber podido, por lo menos, establecer la comunicación. Creo que hemos recibido una información muy valiosa por parte de ambas partes. Y en esta oportunidad, siguiendo el desarrollo de la audiencia, vamos ahora a darle la oportunidad a la comisión para que tengamos este momento de intercambio que es enriquecedor para nuestro monitoreo de la situación que se registra con una gravedad muy, muy clara, muy, muy fuerte. Entonces, voy a darle en primer momento la palabra al relator de país, comisionado Estuardo Rallón. Muchas gracias, presidenta. Un saludo muy especial a mis colegas comisionadas y a todas las mujeres presentes el día de hoy y que también nos siguen por redes sociales en este Día Internacional de la Mujer. Quisiera iniciar indicando y agradeciendo a los representantes de la sociedad civil por la presentación que han hecho. Una presentación de una realidad atroz, condenable desde todo punto de vista en materia de derechos humanos. Se han abordado varios temas como el aumento de la violencia. En ese aumento de la violencia han sido muy enfáticas en una violencia doméstica y sexual en impunidad, una violencia de violaciones grupales en el marco de la violencia social, también la violencia que se da en los centros de privación de libertad. Y soy, además de relator de país para Haití, relator temático a personas privadas de libertad y combate a la tortura, y sin duda alguna el hecho que hayan 8 prisiones mixtas donde pudiesen haber una serie de vulneraciones. Adicionalmente, la situación de Haití en un contexto de hambre generalizada, de graves deficiencias al sistema de salud, de un colapso al sistema educativo
y de una disminución de oportunidades económicas, sin duda alguna, es el contexto que mencionan ustedes en una frase de su intervención y es un estado constante de terror, de miedo, de sufrir en cualquier momento una situación de violación a los derechos humanos de mujeres, de niñas. Y sin duda alguna, pues la Comisión, ya desde el año 2019, puso su atención precisamente en una audiencia temática sobre la impunidad y la violencia contra las mujeres en Haití. También me correspondió como relator, junto con mis colegas, trabajar en el informe de país de la situación de los derechos humanos en Haití del año 2022, donde en uno de los apartados se habla de la alta incidencia de la violencia de género en mujeres y niñas desplazadas, incluyendo el abuso y la explotación sexual. También la Comisión emitió una resolución importante 02/2021 sobre la protección de las personas haitianas en movilidad humana, haciendo un llamado a la solidaridad interamericana. Los estados de la región deben incorporar una perspectiva de género para mitigar el impacto desproporcionado del desplazamiento forzado de mujeres y niñas, quienes enfrentan un mayor riesgo de sufrir violencia de género. Y por último, en otros instrumentos, en la medida cautelar 433/22, recientemente la Comisión otorgó medida cautelar a una defensora de derechos humanos quien sufre amenazas y riesgo a su vida por denunciar la violencia sobre la mujer. Sin duda alguna, aunque la Comisión ha venido trabajando de manera muy fuerte, se necesita una voz más potente de la Comisión para señalar la gravísima situación de Haití. Tenemos que hacer más de lo que hemos hecho. Se necesitan, como ustedes bien mencionan, medidas inmediatas que impidan el daño, que impidan mayores violaciones que se sufren a diario con escenarios de 15 secuestros al día. Eso tiene que ser denunciado en el continente y hacer un llamado a la asistencia humanitaria, hacer un llamado para que existan los mecanismos de defensa de derechos humanos con todo el apoyo de la comunidad internacional. El objetivo debe ser uno: las mujeres y niñas deben vivir libres de violencia y cualquier acto de violencia no debe quedar en impunidad. Y para eso se necesitan medidas urgentes, inmediatas, apoyo internacional y que el Estado cumpla con la debida diligencia en la implementación de estas medidas urgentes que se puedan llevar a cabo con ayuda internacional. Tomo nota también de la petición de la visita in loco, del monitoreo especial que fue requerido, de las medidas preventivas que la Comisión pueda adoptar y sobre esa base el compromiso del Pleno de la Comisión está en ello y daremos seguimiento a las peticiones que han hecho. Muchas gracias por esta audiencia y por su participación el día de hoy. Gracias, comisionado. Comisionada Yulisa Mantilla. Merci beaucoup pour votre participation à cette audience. C'est une occasion très importante pour les commissions interaméricaines des droits humains. Et je voudrais envoyer un message aux femmes et aux fils d'Haïti et leur dire qu'elles sont des survivantes et que nous sommes avec vous. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler about the sexual violence in Haïti. Bah, c'est un problème pour toutes les filles et pour toutes les femmes. Ce n'est pas un problème seulement pour Haïti. Je voudrais, à le rapporteur pour les droits des femmes, de parler avec ça ici et de faire ma compromis, de
pour être avec vous aujourd'hui, mais pas only aujourd'hui. Merci beaucoup. Excuse me by my French. Hice mi mejor esfuerzo. In English? In English? Okay. I did my best. You know, I studied French at school, and I really wanted to be here speaking in French. Thank you very much for that. And today is an important occasion, as I said, and we are talking about sexual violence like a general crime, not only in Haiti and in this situation. And we could talk about sexual violence as a general crime. We are talking a crime committed by civil society, but also by the state of orders. Es un crimen general, y ante eso, la Comisión Interamericana expresa su compromiso. Hablar de violencia sexual implica también no solo las víctimas, sino las consecuencias en aquellas mujeres que resultan embarazadas producto de esta violación sexual. ¿Qué está pasando con esas niñas y niños que nacen producto de la violación sexual? El relator ha hablado de esta solidaridad, de esta resolución de solidaridad que hemos hecho la Comisión, y hay que poner también un énfasis en esta situación. Y hay otro elemento también que quiero destacar, es la violencia sexual a cargo de aquellos personas que no son de Haití, pero que viajan en misiones supuestamente para ayudar, para cooperar. Hay que tener también la investigación en estas situaciones de violencia sexual que puedan darse. Creo que realmente, más allá de la visita que ustedes han solicitado y que tomaremos muy en cuenta, y yo agradezco la presencia del Estado, me parece que es necesario declarar una situación de emergencia de violencia sexual en Haití. Esto no es casual, esto no es ocasional, y declarar esa emergencia a nivel del país permitirá que los ojos de la comunidad internacional sobre Haití también hagan énfasis en esta situación de violencia sexual. Desde la Comisión Interamericana nos comprometemos a seguirles acompañando en este tema ahora y siempre. Merci beaucoup. Gracias, comisionada. Le paso inmediatamente la palabra a la comisionada segunda vicepresidenta, Roberta Clark. Thank you very much, Commissioner Arosemena. Good morning, everyone. I want to start off by extending my solidarity with the representatives of civil society organizations and women's movements and human rights defenders of Haiti. And I also want to thank the state representatives for their attendance and the information that they have shared. I also wanted to acknowledge and reiterate, I think, what you said earlier about acknowledging and honoring the women's movement in Haiti, which is established and quite strong, a movement that has been active, attentive, responsive, strong advocates, and also strong service providers to the women and girls of Haiti. But we ought not to take them for granted because they do so at their own great risk and deprivations. So first of all, to thank you for your contribution. These are, I'm stating the obvious, rather complex, complicated times for Haiti and Haitians, economically, politically, security-wise, and in all ways. And that the current moment, of course, builds on all previous moments of the historically marginalized people of Haiti who dared to fight for and get claim their freedom. So that's the history, but we also have the contemporary marginalizations compounded by all of the natural disasters that Haiti has suffered, whether it's earthquakes or, you know, the hurricanes. So now we have the moment where we have seem to have state failure or state breakdown in an extreme form. And one of you all referred to that earlier when you talked about the weak state, the absence of a parliament, the absence of elected senior officials, and the consequences that that state breakdown would have for the functioning of the public sector, including the police and the judiciary and social services, which were already fragile before this current moment. So I see all of that to say, if we start off with that, that's the context, I really understand when the recommendations that you have given, and I agree with all of them, and I certainly think that the commission has to, and I know under the leadership of Commissioner Rallon, to focus in hard on Haiti, and not only speak about standards, but speak about practical ways to realize the standards so that the
lives are changed for everyone in Haiti. So we speak about, and I think it was a professor who spoke about the three factors that explain the impunity. He talked about inefficiency, corruption, and lack of resources. And in that context, of course, the gangs are in control of lots of territory, and women are on the front, and girls are on the front line. And I'm glad that you did the disaggregation of who are those being affected. I think across the life cycle, women are vulnerable to sexual violence, or targets, let's call them our targets for sexual violence. But certainly there's a particular vulnerability of young girls. And for every report that you all mentioned there, there are many others who would not have reported, because of course sexual violence is underreported significantly everywhere, and certainly in Haiti, where there's no functioning state necessarily for people to go to, maybe in rural communities or far-flung communities, there's no one to report to. So I think we have to think about that. Whatever we don't know as the same amount or more, to start off there. So I guess I want to ask us, to challenge us to think together when you're asking the commission what we can do practically to move the agenda forward, to move the implementation of standards forward. In the context of this extremely fragile state moment, a lot of the recommendations that you've given us are focused on the state. Police should, judiciary should. So it's a bit of a conundrum. How does the women's movement and civil society, human rights defenders in Haiti, and I'm a little bit off the topic, but I think it's a condition of us getting to the topic. What are your recommendations of this moment of what a commission can do, not only around sexual violence, but generally speaking, the stabilization of the democracy and the rule of law, without which, of course, human rights cannot be realized? Is there a kind of recommendation, a broader recommendation that you wish the commission to think about? And then specifically in relation to sexual violence, I wanted to ask the state representatives. We heard quite a bit of about what the state is trying to do, and certainly with a forward-looking trajectory. But there's a whole lot of impunity for violence that has happened over the last, well, many years, but let's stay maybe within the last 5 years. What plans does the state have, the government have, to put into place a comprehensive plan to bring together all the reports that we have heard here, to investigate those reports and to have a case-by-case consideration so that we can move forward on ending impunity? I don't think we can say that's the past. The past is now. We are living the past in that sense, right? Those who have experienced sexual violence, they need justice. And so I would like to ask the state if it has any thoughts about how justice can be delivered for all of the reports that we have heard about today, even as we look forward to strengthening policing for future prevention. Thank you very much. Gracias, comisionada Clark. Le voy a pasar la palabra a la secretaria ejecutiva, Tania Renaud. Gracias, presidenta. Bonjour, madame et messieurs. Je suis vraiment désolée pour les problèmes techniques. Nous avons essayé d'avoir différents interprétations en anglais, en français, en créole, mais nous regrettons de ne pas être parvenus. Je suis vraiment désolée pour ça. Et je suis en train de parler en français parce que je veux de parler à la représentation de l'État, à le monsieur Jean Falière. Monsieur Jean Falière, bonjour et merci pour être là à Haïti et pour écouter la session. Je voudrais me référer à l'intervention de Jean Falière, spécialement qui a demandé la coopération de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Et je lui dis aujourd'hui, et je l'ai dit aujourd'hui publiquement, que nous sommes prêts à engager une conversation et même à visiter Haïti. Et nous pouvons organiser une session et une réunion à Haïti, et quand vous voulez, il faut que nous parlions de ça. Et je remercie à la société civile et pour les récits qu'elle nous a portés, et aussi pour les observations critiques sur l'absence de violence sexuelle à notre report. Merci pour ça.
Et nous, nous tenons en compte et nous sommes convaincus que le point de vue des femmes doit également être pris en considération dans les forums internationaux. Et nous, il faut que nous pensions à Haïti avec une perspective féministe, une perspective de genre. Merci bien pour les critiques et c'est la première époque que nous avons fait depuis de 8 ans, non, 18, 15 ans. Merci bien et pour être ici et parler avec nous avec la clarté et avec l'expérience personnelle. Merci, gracias, Presidenta. Gracias, secretaria. La secretaria adjunta de monitoreo. Sí, muchísimas gracias, Presidenta. Un saludo y una admiración por todo el trabajo que se ha realizado para presentar esta audiencia y dar un agradecimiento también por el material escrito que nos ha permitido en esta situación técnica poder llevar toda la presentación que ustedes han realizado con tanto detalle, con tanta solidez en esta audiencia. Solo para complementar lo planteado por la Secretaría Ejecutiva, efectivamente este informe presentado de país sobre Haití en enero del 2023 está recientemente publicado, tuvo la idea de primero dar como un contexto histórico por qué se llegó a esta crisis política, social, de derechos humanos que se ha establecido como un Estado derrumbado. También se da una panorámica de una trayectoria de ese debilitamiento institucional y se enfoca en los principales factores de inseguridad para presentar a la comunidad internacional un entendimiento de lo que está pasando más allá de la presentación de casos específicos. Pero efectivamente, si bien en el capítulo que se habla sobre los factores de la situación de inseguridad y del accionar de grupos armados, se da cuenta de la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, la esclavitud sexual, como un arma para aterrorizar y ejercer control sobre poblaciones locales, efectivamente, la crítica que se nos hace sobre una perspectiva más profunda de género es muy válida y la agradecemos. También indicar que la comisión ha generado un programa de atención especializado en el Caribe y particularmente en Haití, por lo cual este informe es uno de una serie que se plantea venir ya en situaciones específicas. Y también indicar que es muy difícil acceder a la información en Haití. Es muy difícil, se ha hecho un trabajo de acercamiento a organizaciones de la sociedad civil y no solamente por el tema idiomático, estamos hablando de francés, creol, sino también del acceso. Entonces, agradecer la posibilidad de participar, está nuestro equipo técnico desde la sede de la comisión siguiendo esta audiencia para generar este apoyo en la construcción de redes que tengan que ver con mujeres a las que podamos acceder para recibir testimonio sobre las violaciones que han sufrido. Así que muchísimas gracias por esta audiencia y en relación con la cooperación técnica, decir que estamos ofreciendo para el seguimiento de las recomendaciones que están dentro del informe y la posibilidad inclusive de ir a Haití a trabajar con las autoridades, a trabajar con las organizaciones de la sociedad civil en vías para implementación de estas recomendaciones. Presidenta, muchas gracias. Gracias. Bien, concluyo la participación de la comisión haciendo un reconocimiento a la información presentada. Como relatora para los derechos de niños, niñas y adolescentes, la situación de las niñas y de las adolescentes de Haití hay que ponerlas como una prioridad en la atención. Voy a hacerles algunas preguntas, si el Estado tiene la oportunidad de expresar alguna idea en 5 minutos, porque ya estamos sobre el tiempo, pero me gustaría saber si en esta institucionalidad
para el trabajo de salud, de educación, el trabajo de justicia, existe por lo menos la creación o la estructura de una institucionalidad especializada en la protección de la infancia, la niñez y la adolescencia. Es decir, si en la estructura de la organización del Estado hay una visión especializada para dar respuesta a la efectividad de los derechos, de todos los derechos, a todos los niños, niñas y adolescentes, y muy particularmente la situación de las niñas en situación de violencia sexual y violencia en el núcleo familiar, para ver cuál es la respuesta. Pero con todas las cosas que ustedes expresaron, definitivamente esa institucionalidad de la que cuestiono, de la que pregunto, ustedes indican que no está funcionando, que no hay las respuestas. Entonces, nuestro compromiso de en esta comunicación es precisamente contar con toda la información que nos sea posible para identificar cuáles son hoy las limitaciones y los obstáculos que están atravesando la institucionalidad educativa, que es clave para la defensa de los derechos, para la formación de los niños y para dar una respuesta. Igualmente en la institucionalidad de salud, que representa toda una política pública que tiene que darse para atender de una manera integral todo el tema de salud. Y por supuesto el tema de justicia, los obstáculos que hay para esa efectividad de la justicia. Y esto va vinculado con la institucionalidad de la política de seguridad ciudadana, que el Estado necesita tener un plan de acción muy bien estructurado para el tema de la política de seguridad, precisamente por estas historias desgarradoras que nos han ustedes mostrado de las mujeres que son víctimas y niñas que son víctimas de violación y de la violencia sexual generalizada. Entonces, es importante para la comisión tener esta información, porque las relatorías, hoy estamos aquí, la Relatoría de Mujeres, la Relatoría de Privados de Libertad, pero está también la Relatoría de Movilidad Humana, la Relatoría de Niñez y también la Relatoría del Grupo de Personas del Colectivo LGTBI, que tenemos que hacer un trabajo entonces de integralidad, de interseccionalidad para obtener las respuestas. Lo que nos ha señalado la Secretaría Técnica y la de Monitoreo nos indica la posibilidad de esta cooperación técnica que tenemos que trabajarla, y es el compromiso que desde nuestra visita que tuvimos oportunidad en el 2019, que estuvimos allí y que estábamos en una propuesta de trabajo de cooperación y de seguimiento. Bueno, lamentablemente entonces los sucesos políticos que empezaron a destruir más allá de estas propuestas. Entonces, les voy a dar, porque estamos sobre el tiempo, les voy a dar 3 minutos a Sociedad Civil para que tenga una presentación, poder establecer algunas ideas finales, pero por supuesto todo lo que ustedes nos puedan remitir por escrito será muy valioso. Y al Estado le preguntaría si harían uso de esos 3 minutos también. La sociedad civil, ¿cómo es? Merci beaucoup. D'abord, permettez que l'on souligne à votre attention que tout à l'heure, pour l'intervention de l'État, en fait, vous venez d'avoir devant vous exactement un exemple des dirigeants et des dirigeantes haïtiens.
ils sont soit en situation de déni par rapport aux violations des droits humains que nous subissons, soit ils reconnaissent sans le reconnaître que nous sommes effectivement en train de vivre une situation inacceptable. Je soulignerai pour vous que jusqu'à aujourd'hui, aucun des massacres n'a donné lieu à une décision de justice. Les bandits armés ne sont pas poursuivis en Haïti. Ils bénéficient de la protection des autorités étatiques qui leur fournissent des armes, des munitions ainsi que de l'argent. Deuxièmement, la justice en Haïti ne fonctionne que 3 mois par année. Et, par exemple, au cours de l'année judiciaire passée, moins que 200 personnes ont été jugées en assises criminelles, alors que nous avons environ 12 000 personnes en prison, dont 82% sont en attente de jugement. Voilà notre réalité en Haïti. Deuxièmement, Maître Falière a souligné l'intervention étrangère. Nous sommes conscients que, effectivement, la police nationale, affaiblie par les autorités étatiques, ne peut pas faire face seule à la situation de grand banditisme en Haïti. Cependant, nous estimons que l'appui de la communauté internationale ne passe pas forcément par des bottes sur le territoire. C'est un appui qui peut prendre l'allure de formation. C'est un appui qui peut appuyer, renforcer la police nationale en lui fournissant des moyens, des équipements efficaces, adéquats pour pouvoir se colter aux bandits armés. Une dernière chose que je voudrais souligner, Madame la Présidente, par rapport à tout ce que vous nous avez dit. En Haïti, effectivement, si on prend des institutions, si on parle des institutions, il y en a plusieurs. Cependant, les institutions ne travaillent pas, elles ne fonctionnent pas en Haïti. Et donc, par conséquent, l'État haïtien va rapidement vous dire qu'effectivement, il y a une institution créée pour protéger la jeunesse, créée pour protéger les enfants. Mais c'est une institution, comme le ministère de la Justice, comme le ministère de la Santé, qui ne fonctionne pas. Et le seul plan d'action aujourd'hui qu'a le gouvernement haïtien, malheureusement, il faut le dire, c'est l'utilisation des gangs armés pour semer la terreur et forcer la population soit à partir, soit à laisser le pays, ou bien carrément à subir cette violence. Merci. Muchas gracias. Le pregunto al Estado si va a hacer uso de los 3 minutos. ¿Están conectados? Tenemos que apresurarnos porque tenemos la otra sesión ahora ya en unos minutos. Haïtienne, remercie chaleureusement le comité d'avoir ouvert cette audience et nous attirons l'attention de plus d'un que le gouvernement actuel fait des efforts pour faire fonctionner la justice. Des mesures ont été prises concernant le renforcement de cette institution, mais ça, avec un peu de retard, donc on n'arrive pas à faire tout ce qui a été prévu. Nous remercions et les organisations des droits humains de venir à l'audience pour nous montrer ce que nous avions déjà su et que nous sommes prêts d'accepter leurs recommandations pour que ensemble nous essayons de combattre ce phénomène qui ronge le pays. Nous vous remercions activement. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, concluida esta audiencia, reconociendo su importancia, su trascendencia, creo que cumplimos un objetivo de establecer una comunicación, un diálogo constructivo Estado y sociedad para buscar juntos, con el apoyo y la cooperación técnica de la Comisión Interamericana, un trabajo, continuando con él para que Haití tenga
lo que se merece como país, como vida. Muchísimas gracias y damos por concluida esta audiencia.